Salut à tous, c'est Eric Legault de chez Galago Music. Bienvenue sur cette vidéo qui devrait plaire aux débutants qui souhaiteraient se mettre à la guitare électrique. En effet, je reçois aujourd'hui Tanguy Carleroux pour une deuxième Galago Rock Astuce. Il va nous parler justement des éléments qu'il faut connaître pour savoir un petit peu comment choisir et globalement savoir quelles sont les choses incontournables à connaître concernant cet instrument. Et juste avant de laisser la parole à Tanguy, je vous incruste ici un petit lien vidéo qui vous ramènera vers une playlist que j'avais fait mais il y a déjà un petit moment avec un autre guitariste qui s'appelle François Briand et justement il nous racontait un petit peu l'histoire des guitares électriques, quels sont les différents modèles, tout ça. Donc ça pourrait être complémentaire éventuellement. Des explications que va nous donner Tanguy. Du coup garçon, à toi de jouer. Bonjour et bienvenue pour l'épisode 2 de Galago Rock Astuce. Aujourd'hui on va laisser les guitares de côté. Ah je sais. Et oui, ce ne sera pas un tuto technique aujourd'hui puisqu'on va plus être sur du question-réponse. Puisqu'aujourd'hui je vais tenter, beaucoup d'aujourd'hui dans cette phrase, je vais tenter de répondre à cette grosse question que beaucoup se posent, comment bien choisir sa première guitare électrique. Et oui, entre Stratocaster, Les Paul, guitare métal, guitare polyvalente, micro simple, micro double, énormément d'éléments qui peuvent parfois embrouiller et dans le pire des cas ça peut démotiver. Ma mission aujourd'hui du coup sera d'essayer de dégrossir au mieux le marché pour que vous puissiez affiner votre sélection et vous dépatouiller un petit peu dans cette grosse jungle de guitares électriques. Vous l'aurez compris, c'est une vidéo qui s'adresse majoritairement aux débutants, que ce soit dans le monde de la guitare électrique ou même dans le monde de la guitare tout court. Et oui, puisque les experts sauront déjà vers quel type de matériel ou quel modèle penche un petit peu plus leur cœur. Je précise à l'avance que je vais tenter d'être le plus général possible quant aux critères de sélection. Mis à part ça, comment bien choisir sa première guitare électrique? À mon sens, critère majeur de sélection dans votre premier choix, ce sera les micros. Et oui, puisque les micros vont agir comme le moteur de votre guitare, ce sont eux qui clairement vont définir son son. Bon, forcément, sa fabrication, l'électronique, chevalet fixe, vibrato, Floyd, tout ceci aura aussi une influence sur le son, mais beaucoup moins importante que les micros. Alors dans les micros en guitare électrique, on distingue principalement deux grandes familles. Simple ou encore micro simple bobinage, ou encore single coil en anglais. La deuxième famille, la famille des micros dits double, ou encore double bobinage, ou encore humbucker en anglais. L'accent. Bref, visuellement, il y a déjà une petite différence. Comme vous pouvez le voir sur ce modèle de guitare, on distingue que les micros simples ne possèdent qu'une seule rangée d'aimants. Et à l'inverse, les micros doubles en possèdent deux. Bon, ne vous fiez pas à cette guitare, elle a un cache micro. Pour ceux qui se posent la question, ça n'a aucune influence sur le son, c'est juste de l'esthétique. Alors quelle est la différence entre ces deux grandes familles? Alors la première chose à savoir, les micro-doubles ne sont pas apparus non pas parce qu'on cherchait un nouveau type de son, mais surtout parce qu'on cherchait à corriger un problème. Et oui, puisqu'on distinguait que sur certaines variétés de micro simples, quand on poussait le potard à fond, on distinguait dans l'ampli beaucoup de parasites, de craquements qui pouvaient vraiment rendre la chose un petit peu chiante. Du coup, on a décidé de créer une deuxième ligne d'aimant sur les micros qui justement étaient là pour corriger ce problème. Et paf, ça fait des micro-doubles. Au niveau son, très grosso modo, les micro doubles sont très à l'aise avec les sons chauds et les sons très puissants. Autrement dit, la statue, les sons rock. A l'inverse, ils sont quand même légèrement brouillons quand on cherche de la précision, de la rapidité, en gros quand on joue avec les sons clairs. Alors qu'à l'inverse, les micro simples sont très à l'aise avec les sons clairs, avec les harmoniques, les sons vintage quoi. Les micro simples ont généralement un temps de réponse beaucoup plus rapide, d'où l'effet claquant sur la guitare. Ceci étant dit, je reste quand même très général puisque beaucoup de personnes utilisent des guitares à micro simples pour faire du métal. Maintenant, vous savez un petit peu quelle est la différence entre ces micros. Parlons de la disposition des micros sur les modèles. Prenons exemple sur cette GNL. Cette GNL est équipée de deux micros doubles. Autrement dit, c'est une disposition dite HH. Quant à cette Stratocaster, elle dispose de trois micros simples, d'où la polyvalence. Mais je vais revenir après. Elle dispose donc d'une configuration dite SSS. Single coil, single coil, single coil. Ah oui, si vous testez une guitare et que vous vous demandez pourquoi ce petit bouton peut se lever, on dit que le micro est splittable. Et oui, certaines guitares disposent de cette petite spécialité qui permet en fait de couper le micro double pour que finalement il agisse comme un micro simple. Parlons maintenant un petit peu de la polyvalence. Quand vous débutez, pour moi, ça reste primordial que vous optez pour une guitare dite polyvalente. Bah oui, forcément, au fur et à mesure du jeu, peut-être que vous allez vous rendre compte que tel ou tel type de musique vous plaira, et avoir une guitare polyvalente peut s'avérer être un véritable atout quand on cherche à explorer différents types de musique. Une guitare polyvalente dispose d'une configuration de micro qui est quand même variée, c'est-à-dire qu'elle dispose de plusieurs micros différents sur la guitare. Reprenons l'exemple avec cette Stratocaster, le fait de disposer de trois micros simples permet justement d'utiliser un ou plusieurs micros, ce qui permet d'avoir une variété de sons, d'où la polyvalence, mais ce n'est qu'une forme de polyvalence. D'autres guitares disposent à la fois de micro double et de micro simple sur leur guitare, ce qui permet justement d'explorer une multitude de sons. Après, si vous avez déjà une idée précise du son que vous voulez, vous pouvez opter pour une guitare qui ne dispose que d'un seul micro,
qu'il soit simple ou double. Bref, mon conseil en termes de configuration initiale quand vous débutez sera d'opter pour une disposition micro double, micro simple, micro HSH ou encore micro double, micro simple et micro simple HSS. Et oui, puisqu'en fin de compte, l'alliance entre les micro simples et les micro doubles vous permettront justement d'explorer une multitude d'univers et ça répondra à la plupart de vos attentes. Un mot maintenant sur les chevalets. On trouve trois types en guitare électrique, les chevalets dits fixes, comme celle-ci, qui ne disposent pas ni de vibrato ni de plug, ça bouge pas. On trouve également les guitares équipées d'un vibrato, comme celle-ci, qui permet simplement de détendre la corde, mais juste de haut en bas. Et d'autres guitares qui sont équipées de ce qu'on appelle un Floyd Rose, qui permet à la fois de détendre la corde par le bas et par le haut. Alors attention, grosse vigilance, si effectivement tous ces effets de détente de la corde avec le vibrato vous intéressent, n'allez surtout pas vers un Floyd Rose d'entrée de gamme. Une guitare à peu près à 200€ équipée d'un Floyd Rose sera vraiment une poubelle. Et oui, puisqu'en fin de compte, un bon Floyd Rose, ce sera encore plus cher que le prix de la guitare. Du coup, désaccordage de la guitare, changement de corde un petit peu galère, tout cela, ce sera une usine à gaz qui va finalement peut-être vous décourager. Ceci étant dit, la sous-marque de Fender, Squier, fait de très très bons vibratos puisque c'est de la marque Fender, et avec ça, il y a vraiment moyen de s'amuser. Pour le reste, pour ce qui est du bois, ça n'a pas forcément d'importance, surtout si vous dirigez sur une guitare entre 100 et 200€. Après, il suffit de tester la guitare et peut-être que la sensation, le toucher changera un petit peu en fonction de vos goûts. Pour ce qui est de la forme et de la couleur, alors ça, je peux plus rien faire pour vous. Bref, mon grand conseil, en tout cas, allez surtout tester les guitares. Il n'y a que comme ça finalement que vous verrez ce qui vous plaît. Tenez simplement en compte que les micros sont très très importants, c'est un critère de choix à prendre vraiment en compte, et optez vers une guitare polyvalente, surtout quand on débute, ce sera vraiment le moyen de se faire le moins de soucis possible. Et voilà les amis, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire, j'essaierai d'y répondre un maximum, et comme j'ai dit la dernière fois, ça fera peut-être l'objet d'une nouvelle vidéo, qui sait. Voilà, amusez-vous bien, prenez soin de vous, ciao !